Maramé. Caprice des vieux. Un fromage si doux, si tendre, qu'on ne veut le partager qu'à deux. Caprice à deux, caprice des dieux. De garder la forme. Mangez bien, équilibré et sain. Choisir les yogourts et les fromages mannequins. Le plaisir d'être en forme avec Mannequin de Chambourcy. Original strong taste. Sif multi-usage nettoie tout, vite, sans rincer et sans laisser de traces. Et vous, de l'autre côté, maintenant vous les voyez bien les couleurs? Eh bien Nicolas, qu'est-ce que je vois? C'est un bouton qui se pointe là. Pas de panique, j'ai ce qu'il faut. Les nouveaux disques double action de Biactol. Regarde, ils ont deux faces et agissent donc doublement. La face rugueuse enlève la graisse et toutes les impuretés. Et la face lisse contient une lotion qui combat les bactéries responsables des boutons. Deux faces pour une double action. La rugueuse nettoie, la lisse aide à prévenir des boutons. Les disques Biactol, une double action contre les... Compris ? Idole de l'Amérique et du monde entier, nous retrouvons le King au déhanchement ravageur dans cette comédie qui n'a d'autre ambition que de nous faire vibrer aux accents magiques d'Elvis Presley. L'homme à tout faire, dimanche à 13h20. Je ne vous laisserai pas exécuter cet homme. Vous étiez un bon soldat, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je m'en rends très bien compte. Un western d'une extrême violence avec en toile de fond la guerre de sécession. Une restitution sans complaisance de la réalité de l'époque. Charlton Heston, Richard Harris dans Major Dundee, lundi à 13h35. Dans L'Homme au bras d'or, c'est l'enfer de la drogue que dénonce Otto Preminger. Déchiré entre une épouse impotente qui le culpabilise et une tendre amie décidée à tout faire pour l'aider, Frankie cherche à remonter la pente. L'Homme au bras d'or avec Frank Sinatra, Eleanor Parker et Kim Novak, mardi à 13h35. Sur la une, tous les après-midi, un film. Je peux savoir pourquoi vous avez franchi le feu à la phase rouge? C'était trop tard, monsieur. Je m'excuse, mais... Et comme il y en avait un qui me suivait pour pas voir. Et c'est pour ça que... Donc vous avez franchi le feu pour éviter qu'il y en ait un qui vous rentre dedans? C'est surtout ça. C'est surtout ça. Autrement, je le ferais jamais. Et je pensais qu'il était, bon, comme tout le monde vous le dit sans doute, orange foncé, mais... Orange foncé, ouais, ouais. Qu'il soit orange foncé, ça change pas grand-chose au principe, vous devez quand même vous arrêter. Pris sur le fait avec la caméra.
Il est possible que j'ai accéléré bêtement. Bêtement, mais c'est généralement l'inverse qu'il faut faire, c'est s'arrêter. C'est juste... C'est possible, oui. Si vous l'avez vu, je ne devrais l'avoir fait. D'abord, il n'était pas rouge, il était orange, ça je certifie. Je n'ai pas l'habitude de franchir les feux rouges. Moi, orange. Je dis qu'il est rouge parce que nous avons une équipe qui est là, une caméra qui est cachée. C'est quand même curieux de voir cette caméra, enfin oui. Soit. Hein, et, mais d'une part, on voit très bien les voitures stationnées. En passant, j'avais largement le temps, toute sécurité, de passer ce feu orange. Je ne l'aurais pas fait hein, si je l'avais vu. Je ne l'avais pas vu. Vous savez que une mauvaise vue est une des causes, disons, une des raisons pour lesquelles on pourrait à la limite vous retirer votre permis. Je ne crois pas que j'ai une mauvaise vue, c'est peut-être une distraction, mais pas une mauvaise vue. Vous êtes un distrait au volant ? Normalement pas. C'est quand même grave de franchir un feu à la face rouge. Il était rouge ? Oui, il était rouge. Désolé. Bien peu de ces explications tiennent la route, cela va de soi. Et nos automobilistes ont eu bien de la chance cette fois de ne pas avoir affaire à des gendarmes en service. Mais ils ont eu plus de chance encore qu'ils ne l'imaginent, car le rouge des feux de circulation, ce n'est pas seulement la couleur de l'interdit, c'est aussi la couleur du sang. Monsieur, ça va ? Monsieur ? Attendez, monsieur. Ça va aller, bougez pas. Monsieur ? Ça va, monsieur ? Bougez pas, laissez-moi voir. Bougez pas. Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur ? Vous m'entendez, monsieur ? Vite, il était conscient, j'ai emporté une Minerve. On va le sortir de la voiture. Prépare le scoop et le brancard. Attention. Monsieur, ça va ? On va vous sortir de là, savez-vous. Jean, ok, on va le dégager. Vous voulez que je vous aide ? Si vous voulez, monsieur. On va... Toujours le mettre en condition. Ok, ça va aller. Attends, on va prendre le scoop. Oui. Jean, attention, c'est Jean Pin. Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, vous m'entendez ? Monsieur, Jean, il faut l'embarquer. Levez. Quand le feu est vert, on peut passer. Quand il est rouge, il faut s'arrêter, bien sûr. C'est en tout cas ce que l'on apprend aux tout-petits-enfants. Et l'automobiliste, même débutant, ne peut pas l'ignorer. En principe. Car dans la réalité, on en brûle beaucoup de feux rouges. Et le rouge, c'est la couleur du sang. L'avenir se construit aujourd'hui. Les Diables Rouges sont prêts à relever tous les défis. La Biennale classique de Courtrai est une fête d'essence, une rencontre avec la beauté classique. Les antiquités, l'art moderne et l'art de vivre s'y donnent rendez-vous dans une harmonie parfaite.
11 novembre au Hall de Courtrai. Heinz Tomato Ketchup presents. The Rolling Stones at the Max. The Rolling Stones. In concert every day in IMAX, Kinépolis, Brew Park. Tu aimes les choses extraordinaires. Tu aimes ce qui est rare et précieux. C'est pour te plaire, mon enfant. Ce sont des meubles Henri Socquet, mon amour. C'est agréable chez toi. Ce sont des meubles d'art Henri Socquet, ma chérie. Je reste. Des meubles Henri Socquet à Jonblou, tu restes. Amis du foot, voici Sportcard. Sportcard, c'est une farde dans laquelle vous collectionnez les cartes des joueurs de tous les clubs de la ligue professionnelle. Sportcard, c'est la carte d'identité champion. La petite usine bleue vous propose. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quatre rencontres comptant pour la 12e journée du championnat de Belgique de première division aujourd'hui à notre programme. Elle concerne les cinq premiers du classement, mais aussi nos trois clubs toujours engagés dans les coupes européennes et qui disputeront les matchs retour du deuxième tour mercredi prochain, donc aujourd'hui.